Salut à tous, c'est Oliver Plasma qui va vous faire un vidéo test de Super Street Fighter 2 Turbo. Franchement, normal. Bon, je dis Turbo parce que, bah, en vrai, c'est Street Fighter 2 simplement. Mais c'est qu'il a eu tellement d'adaptations, il en a eu plein, donc il a eu Turbo, il a eu d'autres trucs. Mais bon, Street Fighter 2 reste Street Fighter 2 avec les mêmes graphismes à peu près. Et c'est sur Super NES, ça a été édité par Capcom. Et je vais prendre Ryu parce que c'est le personnage principal et je me suis plus habitué avec ce perso tout simplement. Avec son Hadouken. Ah, là je vois que le son bug un peu. Bon, ça va peut-être pas bugger pour vous. C'est peut-être parce que je capture en même temps. D'habitude il bug jamais. Bon, sinon, pour la petite info, je joue avec une manette, hein. Sinon je pourrais pas faire ça avec le clavier. Ça serait peut-être impossible. Surtout dans un jeu de combat, les... avec un clavier, un jeu de combat, c'est mission impossible. Et donc oui, Street Fighter est un grand jeu de combat qui a été resté dans les mémoires de la plupart des gens qui ont eu ce jeu sur Super Nintendo, mais aussi il a été aussi adapté sur arcade. Et la version arcade est mieux finie, bien sûr, puisque l'arcade c'est une grosse machine. Et le son aussi est un peu différent, tout simplement, c'est pas la même puce sonore. Donc oui, je vous ai pas parlé du mode turbo, en fait, il y a 4 personnages de plus dans le mode turbo. Il y a Bison, il y a Sagat, il y a Vega, et puis je pense que c'est tout. Ah si, il y a Barlog, voilà, et aussi Barlog. Comme vous voyez, quand on galère, hein, vaut mieux faire 10 000 Hadouken, ça marche super bien contre le CPU. Et parce que Fireflame n'est pas avec moi, donc je peux pas jouer avec lui. Et de toute façon, je préfère jouer contre le CPU parce que Fireflame ne sait pas jouer. Comme vous le savez tous, je pense. On peut faire aussi des prises, mais je sais pas trop comment on fait. Je pense qu'on fait R et puis sur le côté à droite ou à gauche. Bah, comme vous voyez, quand même, les coups sont assez simples à gérer. Il n'y a pas trop de combos, non, c'est pas des combos. C'est qu'on a un bouton pour les coups de pied, un bouton pour les coups de poing. Puis après, il y a aussi les coups de poing légers et les coups de poing puissants. Et les coups de poing puissants, ils sont deux fois plus longs à faire. Un petit Hadouken. Le problème c'est que quand on est contre Chun-Li, c'est assez chaud parce qu'elle fait que de sauter de partout. Avec ses grosses jambes de sauterelle. En fait, je vous ai pas dit, mais les thèmes principaux de chaque perso à chaque fois est mis. Genre quand on est contre Chun-Li, c'est le thème principal de Chun-Li. Quand on est contre Ryu, thème principal de Ryu, etc. Et franchement, les thèmes principaux de la plupart des personnages est excellent. Donc franchement, niveau bande son, franchement, ils ont vraiment fait un grand effort, hein, Capcom. Pas comme aujourd'hui, par contre. Pour le nouveau Street Fighter, c'est sûr que la bande son n'est pas terrible. En tout cas, moi, j'ai la version 3DS, qui est normalement pareil que les versions HD, sauf qu'il y a juste les graphismes qui sont un peu moins beaux. Bien sûr, c'est normal, on est sur une console portable. Ils sont quand même assez impressionnants, j'étais impressionné. Au niveau de la finition des persos. Et donc là, ouais, pour un jeu de Super NES aussi, c'est de bonne qualité aussi. Merde. C'est dur de commenter en jouant. Bon, comme vous voyez, il y a les voix digitalisées, hein, bien sûr. C'est apparu sur la Super NES. Et il y en avait, je crois, aussi sur le Mega Drive.
Même si sur Mega Drive c'était assez pourri. Mais comme vous voyez, les voies sont presque parfaites. Enfin, il y a quand même des petites finitions à faire. C'est quand même assez de bonne qualité. Sur une Super NES. Et c'est l'un des premiers jeux de la Super NES, je crois, oui. Bon, de toute façon, vous avez vu la date au début. Je me suis encore fait défoncer. Je crois que je suis à la difficulté 3 sur 6. En gros, je suis en moyen. Mais déjà, en moyen, c'est bien difficile. Et... d'habitude, je mets plutôt en facile. J'aurais peut-être dû mettre en facile pour vous, en fait. Pour que j'aille jusqu'à la fin, facilement. Enfin, même... entre facile et difficile, parfois, il y a un peu des doutes parce que le CPU, bah, en fait, c'est pas très bien foutu. Parfois, le CPU en facile peut être plus fort que le CPU en difficile. C'est un truc qu'ils ont pas trop corrigé aussi dans Street Fighter 4. Ça fait encore cette connerie. Elle me ratatine, là. Et comme vous voyez, les décors en arrière-plan sont vraiment mais majestueux. C'est une première dans les jeux de combat en 2D. Presque tout est animé. Tous les personnages en arrière-plan sont animés. C'est vraiment impressionnant. C'est d'habitude dans les jeux de combat, c'est quand même assez vide. Même les jeux de combat de l'époque sont assez pourris. Donc franchement, lui est l'un des rares... jeu de combat à posséder, franchement. Des jeux de combat des années 90, parce qu'après il y a eu des bons jeux de combat, bien sûr. On saute de partout, c'est vraiment une grenouille, hein. Ou une sauterelle plutôt. Là vous voyez, elle vient prendre, c'est une prise qu'on fait, bah, comme je vous l'ai dit, en faisant R et sur le côté à droite ou à gauche. Au bon moment, quand le perso est dans la merde, quand il est en train d'attaquer comme un fou furieux. Je me fais ratatiner, comme pas possible. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je joue comme une merde. Le jeu n'est pas non plus incroyablement difficile, enfin je crois. Si on met en facile. Même si parfois, je vous l'ai déjà dit, il y a des petits bugs au niveau du CPU pour les difficultés. Je la batte. Et là, si elle me bat, c'est n'importe quoi. Putain. J'étais à... Il me restait la moitié de ma vie et elle lui restait un pixel. Elle m'a quand même battu. C'était n'importe quoi. Et j'ai envie de quitter, en fait. Pour vous le faire plutôt en plus facile, non? Ouais, mais je reprends le monde. C'est parti. Cette fois-ci, j'espère que je vais la battre, franchement. Franchement, les Hadouken ne sont pas trop son point faible. Par contre, ça marche super bien contre le Sumo, je sais plus comment il s'appelle. Je suis pas un fan incontesté de Street Fighter. Franchement, le premier que j'ai connu, c'est pas le 2. C'est le 4. Donc voilà. Il m'a encore pris, mais comment il fait? Pourtant, je suis pas assommé. Voilà, ça c'est beau. Ah, et aussi on peut faire un Shoryuken. Mais je vous en ai pas montré un seul, je pense. Bon, c'est à peu près le même principe pour faire que pour faire un Hadouken. Attends, je crois qu'on peut voir les combos. Non, on peut même pas les voir, bon. Tant pis. Come on.
Ah voilà, une prise, enfin. Je vous en ai fait une. Donc voilà, comme vous voyez, c'est franchement, les thèmes sont vraiment impressionnants. Enfin, des bons thèmes, hein, bande son magnifique. Enfin bon, le thème de Chun-Li par contre est très moyen. Je pense que je vous mettrai un autre thème. Faut moins que je la batte pour avoir un autre thème, bordel. Et merde. Putain, ça arrivera jamais. Bon, je crois que je vais faire un reset, ça sera plus pratique. Merde, j'ai déjà réussi en normal, mais bon, il fallait à chaque fois que je recommence. Parce que je jouais comme une merde, bah comme là en fait. Merde. Bon bah je vais faire un reset. C'est plus simple. Et je vais mettre en facile. Bon bah j'ai pas envie de recommencer la vidéo parce que bien sûr j'ai dit pas mal de choses importantes. Ah oui, on était en 4 étoiles. Une de plus que ce que j'ai dit. Là je pense que c'est bon. Donc je vais regarder. Ah c'est bon. Bon, je vous montrerai aussi le mode turbo, hein. Ce que ça fait, mais bon, ouais. Bon, VS Battle, bien sûr, ça c'est le mode multi. Bon, je vais prendre Ken cette fois-ci. Bon, j'ai fait start au lieu d'appuyer sur A, donc ça m'a mis un autre truc. Un autre habit. C'est assez moche en bleu, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là, le thème de Taslim. Taslim, un personnage qui peut allonger ses bras, ses jambes. Je pense qu'il va vous... Je pense qu'il va faire une technique comme ça, là, peut-être. Dans le deuxième combat, bien sûr. Comme vous voyez, il y a les éléphants en arrière-plan qui sont super bien détaillés. Mais dans la version arcade, il y a deux éléphants de plus. Parce que la console peut gérer plus de trucs, plus d'éléphants, tout simplement. Parce que la Super NES c'est quand même une console moins puissante, mais quand même c'est, ça montre quand même qu'elle est puissante, parce que il y a carrément 4 éléphants qui bougent en arrière-plan, donc c'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment bien géré Capcom. Par contre, sinon pour la qualité des musiques, même si c'est des très bons thèmes et tout, pour la qualité de la musique, bien sûr. Par exemple, si on reconnaît très bien les instruments, tout simplement, et bah ouais, c'est pas très bien fait. Il y a des jeux où ça a été mieux fait, mieux réalisé, dans les jeux de Super NES. Bon, Ken, comme vous voyez, est très puissant. Enfin, en fait, c'est le même personnage que Ryu, il y a juste la skin qui change. Sinon, je crois qu'il a la même voix quand il fait les Hadouken. Ils se sont vraiment pas fait chier. Et là, si vous pouvez écouter un peu ce thème magnifique. Et bien sûr, c'est le thème de Ryu. Le thème qu'on entend le plus souvent, en fait, parce que c'est le personnage principal. Enfin, c'est le premier personnage, tout simplement. Et là, il y a les trois... Alors les 4 personnages qui sont tout au bout à droite. Les 4, c'est les boss. Je pense que je vais vous les montrer, hein, parce que là je suis en mode facile, donc je vais en profiter pour tous les défoncer. Facile, c'est vraiment pas très difficile. Voilà, j'ai déjà gagné. Vaut mieux mettre une difficulté merdique pour bien réussir pendant la vidéo et pour pouvoir tout vous montrer. Voilà. Et bon, ne vous inquiétez pas, le jeu n'est vraiment pas long. Les jeux de combat, c'est toujours comme ça. Donc
là il faut que je me concentre. Hadouken. Ah bah c'est bon. You win. Bon, on peut faire des perfects aussi hein, mais faut être assez fort. Enfin, j'ai réussi à en faire des perfects. Contre vraiment un CPU buggé. Non mais... un adversaire vraiment pourri tout simplement. Là, là c'est un stage spécial. Faut juste détruire une bagnole. Avant que le temps imparti soit fini. Et comme ça on a perfect et on a deux fois plus de points. Et tout est dans le scoring dans ce jeu. Tout est dans le scoring parce qu'en vrai c'est un jeu qui vient de l'arcade. Donc c'est pour ça. Là on est au Brésil, on est contre Blanca. Son thème est aussi de très bonne qualité. Enfin c'est un très bon thème. Je vais vous faire écouter. Et voilà. Comment avoir Blanca quand tu es en train de s'électrocuter. Faut juste balancer un Hadouken. Comme ça il peut rien faire. Il comprend. Et ce stage je l'ai trouvé vraiment très beau. Parce qu'on voit la mer au loin. Et puis plein de personnages qui sont super bien animés derrière. Enfin super bien animés. Enfin qui sont animés. Non, il y a juste les combattants qui sont super bien animés. Comme vous voyez, ça... ils sont pas, franchement, quand on donne des coups de pied ou des coups de poing, c'est vraiment pas en deux trames. Hein. Franchement, c'est en plusieurs images par seconde, c'est assez bien fait. Et comme vous voyez, bah, je suis en mode normal, donc parfois ça peut peut-être un peu laguer quand on... Par exemple, quand on finit un combat, ou bah, parfois il y a peut-être des petits lags. C'est le jeu qui est comme ça, hein. C'est pas parce que je suis sur l'émulateur. C'est normal, c'est... Et c'est même pour ça que Capcom on fait le mode turbo. Mais en gros c'est juste le jeu mais en accéléré, en deux fois plus vite. Donc ça rame pas du tout, mais par contre c'est injouable. En fait l'ordi il nous défonce. Parce que franchement nous on n'est pas habitué à cette vitesse. Franchement je sais pas comment ils font les joueurs pour réussir le mode turbo. Bon, tout est en anglais et je suis pourri en anglais, vous savez. USA. Ken contre Ken, oui, c'est très logique. Hein. Bon, écoutez ce magnifique thème. Voilà, bon, je pense pas que vous avez trop eu le temps de l'écouter, mais bon, c'est le thème de Ken cette fois-ci, et franchement, moi, mes deux thèmes préférés, c'est le thème de Ken. Enfin, non, il y en a trois, plutôt. Il y a le thème de Ken, le thème du... comment ? De Guile, et le thème de Ryu, bien sûr. Sinon, les autres, ce sont des thèmes de seconde catégorie, je trouve. Mais ils sont quand même bien. À part celui de Chun-Li. Comme vous voyez, quand on bat nos adversaires, ils ont une sale gueule après. Voilà, c'est comme l'histoire de la voiture. Hein. Sauf qu'on défonce des briques cette fois-ci. C'est totalement la même chose. Donc ouais, le plus souvent, j'utilise plutôt les coups de pied hein, pour ça. C'est les coups les plus puissants, donc les gros coups, coups de pied. C'est les coups les plus puissants en appuyant sur R, tout simplement. Très facile d'accès et puis vraiment puissant. Et... donc c'est parfait pour faire les bonus stages. Je fais pareil dans Street Fighter 4.
que c'est presque la même chose en fait le 4. Sauf qu'il y a des persos en plus. Et des graphismes améliorés bien sûr, c'est un peu logique. Mais même aujourd'hui, ce jeu a vraiment très bien vieilli, hein. C'est l'un des plus beaux jeux de baston en 2D. Enfin même, je dirais peut-être le plus beau. C'est franchement... C'était la fin de période des jeux de baston en 2D. Après, c'était les jeux de baston en 3D sur 32 bits. Franchement, c'était très impressionnant. Ce Street Fighter 2... Surtout sur arcade. Enfin, sur arcade, il a les mêmes graphismes. Sauf que, bah, bien sûr, il y a plus d'affichage par derrière. Il y a plus de, bah, plus de personnages, plus de trucs. Bah, comme je vous ai dit, l'histoire des éléphants, il y en a deux de plus. Donc c'est vraiment bien. Zangief. Bon, le thème de Zangief, c'est un thème que j'ai pas du tout... Bon, c'est un thème très moyen, franchement. Ouais, fini. Je pense pas que vous avez trouvé le thème, là. Voilà, c'est un thème très moyen que j'ai pas trop aimé. C'est l'un des seuls thèmes, franchement, que j'ai pas trop aimé avec celui de Chun-Li, hein, sinon... Franchement, il n'y a que des bons thèmes. Des thèmes majestueux. Contrairement au Street Fighter 4 où franchement les musiques sont horribles. Et dire que à l'époque Capcom était plus en forme. Là, par exemple pour les Resident Evil, le 4 au niveau de la narration était déjà pourri, mais c'est quand même mieux que le 6. Ah, je ferai peut-être aussi des vidéos de Resident Evil 5 et 6 bientôt. Enfin bientôt, je pense que ce sera quand même dans un moment. Du moment que je les ai à Noël, bien sûr. Sur PC. Ah, le thème de Balrog, qui est vraiment pas mal aussi, très bien. Mais je vais vous le faire écouter. Finished. Vous avez vu quand même le monde qu'il y a derrière, ils sont presque tous animés, c'est super impressionnant. Voir ça franchement en, à peu près en 93 quoi, c'est énorme. Enfin les années des consoles 16 bits tout simplement. Ah par contre je me souvenais pas qu'il y avait ce stage là. Ce bonus stage. Ah bah si. Bon, un nouveau bonus stage. Qui a été repris sur Street Fighter 4. Mais je ne connais pas du tout Street Fighter 3. Franchement c'est le 4, le premier que j'ai eu, et le 2 j'en ai entendu parler tout simplement. Et donc je me suis pris sur le matin. Voilà. Vega, ce qui paraît c'est le boss le plus difficile du jeu. Parce qu'à chaque fois il grimpe après sur sa grille, sur la grille derrière. Il peut nous faire une attaque en tombant sur nous. Nous attaquer en nous tombant dessus. Oui. J'ai une galère à parler. Heureusement là il n'a pas eu le temps de grimper. Là, en fait pendant qu'il est en train de grimper, on peut pas l'avoir. Même si on le touche, ça ne fait rien. Il s'en fout le Vega. Ah et aussi la longe de son pied est vraiment immense. Franchement c'est un personnage assez cheaté. Mais quand même moins que Sagat, qui lui franchement, je pense que c'est un personnage pour les noobs, pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à Street Fighter. Encore pire que moi quoi. Island.
Bon là par contre ce fond d'écran est très moyen. Je pense que là Capcom ils se sont dit bon on a un peu la flemme. Faisons un fond d'écran à la va-vite. Ah bah il est déjà mort. Ah et aussi à cette époque il y avait aussi Mortal Kombat. Mais bon c'est. Je l'ai essayé sur émulateur mais bon, j'ai pas trop envie de vous faire un vidéo test parce que. Ouais c'est pas un jeu amusant. À part par ses graphismes qui étaient plutôt impressionnants pour l'époque parce que c'était des vrais bonhommes digitalisés. Des images digitalisées. Mais bon. En fait c'est plus ridicule qu'autre chose, hein. C'est mieux des graphismes comme Street Fighter 2. Donc ouais en fait les Mortal Kombat en fait bof. En tout cas pour les premiers. C'est après il y a eu des bons Mortal Kombat sur PS2. Monsieur Bison, le méchant pas beau. Et il est vaincu. Mais quelle technique! Surtout que je l'ai vaincu en facile. En très facile. En méga facile! Ah oui, c'est vrai, il y a un deuxième fight. J'avais zappé. Comme vous pouvez voir, ce fond d'écran est pas mal aussi. Enfin, ce fond d'écran. Ce fond... Bah si, c'est cet arrière-plan. Donc ouais, franchement, pour ceux qui aiment jouer à des vieux jeux sur émulateur, s'ils n'ont pas la console, bien sûr, eh bien, ils peuvent franchement se le procurer sur CoolRun. C'est un site anglais, par contre, je crois, oui. C'est américain. Ou anglais. Bon, je m'en fous, je vais faire un. Et voilà. Et on voit mon score, j'ai complètement atomisé ceux d'avant. C'est un peu logique, j'ai joué en facile. Et maintenant, je vous montre le mode turbo. Le mode turbo, qui est un mode, franchement, énormissime. Même si je trouve pas énormissime en fait. Et je vais prendre pour un petit fun, hein, on va prendre Sagat. Hein. Je suis un noob. Vous allez voir que Sagat est quand même assez cheaté. Hein. Enfin, même s'il est cheaté, je pense pas que je vais réussir parce qu'on est en mode turbo. Et je comprends rien en mode turbo, ça va trop vite. Comme vous voyez, c'est ça le mode turbo, c'est du même grand n'importe quoi. En fait je dis qu'il est totalement cheaté Sagat parce qu'il a des grands pieds, enfin des grandes jambes et des grands pieds aussi. Donc on peut l'avoir de très loin même sans qu'il allonge ses pieds, mais il peut pas allonger ses pieds de toute façon. S'il pouvait allonger ses pieds dis donc, ça fera tout l'écran là. Et donc voilà, je voulais juste vous montrer 2 secondes le mode turbo. Donc ouais, Street Fighter 2, un très bon jeu de combat, surtout à 2. Même à 1, il est pas mal, mais bon, au bout d'un moment, on s'ennuie peut-être hein, un peu. Donc franchement, un très bon jeu de combat à faire à 2 joueurs. Et je vous dis les notes. Alors, pour les graphismes, c'était excellent à l'époque. 19 sur 20. Pour la durée de vie, bon, j'en parle pas. C'est pas trop une durée de vie en fait. Donc je mettrai pas de note pour ça. Parce que c'est un jeu de combat comme vous le savez. Les jeux de combat peuvent avoir une grande durée de vie. Au niveau des... Genre si c'est une personne qui se sert pas beaucoup de ce jeu, bah je pense que la durée de vie est assez moyenne. En gros, ça peut être une grande durée de vie si on a joué plus de 100 heures à ce jeu et qu'on s'amuse toujours autant à 2 joueurs. Donc bon, je peux pas trop parler de la durée de vie. C'est bon, c'est vrai que c'est un jeu de combat et les jeux de combat ont une durée de vie faible, mais bon, vaut mieux pas en parler.
On a tous les persos dès le départ aussi. Et j'ai le mode turbo, donc c'est un peu mieux, on a 4 persos de plus. Donc ouais, en tout il y a 12 personnages dans le mode turbo et 8 dans le mode normal, Street Fighter 2. Mais je vous conseille plus le mode turbo hein, pour avoir tous les persos bien sûr. Et donc la jouabilité, bah, c'est vraiment jouissif. Franchement c'est super facile. On réussit très bien à parer les coups par exemple, juste à aller en arrière. C'est vraiment très simple. Donc une superbe jouabilité, presque parfaite. Je sais pas si elle est parfaite sur arcade, jamais essayé. Donc je dirais 17 sur 20. Et pour la bande son qui est exceptionnelle, je vous mettrai un 18 sur 20. Une bande son mais vraiment exceptionnelle, même s'il y a quelques thèmes qui sont assez moyens. Mais bon, quelques, hein, c'est 2 thèmes je pense sur 8. Enfin sur 12 parce que là il y a d'autres persos. Enfin il y a des thèmes qu'on... Par exemple le thème de Sagat n'est pas très... pas incroyable, il est juste moyen, ça va. Mais bon, les thèmes qui sont marquants, les thèmes incroyables de la série, c'est franchement le thème de Ryu, le thème de Blanca qui est pas mal aussi. Le thème de Guile et aussi celui de Ken. Ils sont très impressionnants. Donc 18 sur 20 voilà pour la bande son. Et donc note générale, c'est un très bon jeu. Hein. 17 sur 20. Donc je vous dis à leur voyant pour de nouvelles aventures avec Oliver Plasma. You win!